Et nous partons pour Cannes. Sarah Lasserie et Alexandra Roux continuent de nous informer quotidiennement de l'effervescence de la croisette. Alors regardons ce qu'elles ont retenu aujourd'hui. Elles nous ont flingués avec leurs yeux revolvers, les deux Bruno sang chaud du Festival de Cannes cette année. D'un côté, l'ibérique excentrique, héroïne du Pedro Almodovar, et de l'autre, une actrice chanteuse rock au look romantico-gothique. Allez, on y va. Deux femmes de caractère, Rossi de Palma à Cannes pour Julieta, septième film avec Almodovar. Elle y incarne une vieille femme acariâtre. S'amuser, hein, même si le personnage il est austère, antipathique. On s'est bien amoussé. Et Soko, qui commet un véritable hold-up de la sélection Un Certain Regard, à la fois ballerine d'opéra dans La Danseuse de Stéphanie Di Giusto. Faut que je continue à m'entraîner. Et une militaire de retour d'Afghanistan dans Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a là? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Donc deux montées des marches, pas trop stressées. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Comment je me tiens? On va où? On fait quoi? J'ai envie de vomir au moins pendant une heure avant. Et je me dis que je vais tomber dans les pommes, que c'est pas possible que j'y arriverai. Ok, ok, ok. On se calme, on regarde deux secondes le résultat. Tout va bien. Les deux actrices baroques et flamboyantes. C'est pour ça qu'on est là. Elles se verraient bien un jour dans le rôle d'un homme. J'ai dû déjà quelques rôles un peu ambigus, mais j'aimerais bien, c'est pourquoi pas, un rôle d'homme aussi. Je ressemblerais à un homme très, très attractif. S'il y avait un biopic sur Morrissey, j'aimerais être Morrissey. Parce que c'est mon idole, parce que j'adore ses textes. Et pour finir, on a demandé à la plus jeune quel était son réalisateur préféré. Ah bah Xavier Dolan, pour moi c'est un génie, donc tous ses films, je suis en complète admiration sur justement son rapport qu'il a au sentiment, son rapport qu'il a à l'humain et comment il traite cet aspect de famille, de sexualité. Tout ça c'est des choses qui me parlent vachement, en fait j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Eh bien ça tombe bien, il monte les marches ce soir et nous on en reparle demain. Le cinéma règne.